The Francophone population of the Avalon Peninsula is the most diverse in the province. People who've come from all over the world to work in education, government, and business. Many Francophones have been drawn to St. John's by the city's combination of old world heritage and contemporary style. St. John's is home to Le Centre Scolaire et Communautaire des Grands Vents. It brings together under one roof an all-grade French language school and a busy community center. It also houses regional and provincial organizations that work together to develop the community. Nous avons un système d'éducation en pleine évolution et à la fine pointe de la technologie. Nos élèves apprennent dans un climat bienveillant et sécuritaire. Les professionnels de l'éducation sont attirés à nos écoles par ce même climat de bienveillance et de sécurité. Leur désir profond, c'est de contribuer à l'épanouissement de tous les élèves et assurer leur succès. Les parents, eux, ont un désir viscéral de voir à ce que leurs enfants s'épanouissent dans la langue et la culture française. Like all the schools under the Francophone board, l'École des Grands Vents puts a special emphasis on the physical well-being and development of its students. Mon enfant Mathias est né à Saint-Jean, donc c'est un Terre-Neuvien. Je suis fière quand même de l'être franco-terneuvien, on peut bien le dire. Puis lui, il y a des services qu'il a offerts à l'école, en garderie. Excellent service que, moi, je veux dire, ça nous sauve énormément. On arrive le matin, puis dans l'environnement où est-ce que son papa et sa maman travaillent. Et ça va très bien de ce côté-là. Il s'adapte avec d'autres enfants qui parlent sa langue. Puis je m'inquiète pas non plus à ce qu'il devient bilingue, parce qu'on vit tellement dans l'anglais et dans le français. Donc, c'est que positif pour lui. Francophones are part of the changing face of St. John's, which is becoming an increasingly multicultural city. Le grand défi que fait face la Fédération des francophones, et ce n'est pas seulement la Fédération des francophones, mais ce sont finalement toutes nos communautés, c'est certainement au niveau du recrutement. Et à l'inverse de ce grand défi que nous avons, est aussi une opportunité pour les gens. C'est une opportunité pour les nouvelles personnes de venir s'installer chez nous, de contribuer à nos communautés. C'est une opportunité aussi pour les gens, que ce soit dans le domaine de l'administration publique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine des métiers aussi, de venir, surtout s'ils ont une entreprise ou s'ils ont un esprit entrepreneurial, de venir se créer une niche, de venir se créer un emploi ou de venir contribuer dans les organisations, dans les institutions qui existent déjà chez nous. Ça, en fait, la première chose qui m'attire à Terre-Neuve, c'est les gens. Les gens, ils sont très accueillants. Je ne me suis jamais senti que je suis un immigrant qui a immigré à Terre-Neuve ici. Je me sens chez moi ici. Ça, c'est la première chose. C'est l'accueil du monde. C'est du monde qui sont très chaleureux. Et la deuxième chose qui m'attire vraiment à Terre-Neuve, c'est la nature. C'est toute une beauté. C'est la nature, des paysages et tout ça. Donc. The Francophones of the Avalon region are proud to be a part of this exciting and energetic community.